Yaya Fofana qui est avec nous. Yaya, félicitations. Expliquez-nous un peu vos émotions dans ce match. Franchement, c'est incroyable. On a déjà un penalty. On voit que l'arbitre il refuse parce que je crois qu'il y a une position d'hors-jeu. On reprend un penalty. Là, l'arbitre il accepte. Penalty. Vous l'arrêtez. Penalty, il accepte. Je l'arrête. Incroyable. Et après, on prend un rouge. C'est un truc de ouf. Et après, on tient jusqu'à la 88e. On marque. On marque après prolongation. On défend comme des chiens. Cette canne n'a pas été facile pour nous. Mais on allait la chercher en mental, franchement. C'est pas facile, mais c'est pas fini. Quand on se dit c'est pas fini après tout ça, c'est un truc de ouf. Il nous reste encore deux matchs pour aller au bout, mais là c'est déjà exceptionnel ce qu'on vit. C'est incroyable. Et j'arrive pas à décrire, c'est exceptionnel. En plus le public a répondu présent, c'est exceptionnel. Ça doit être éreintant parce que pour qu'un gardien finisse avec des crampes, c'est que ça doit être spécialement fatigant quand non, même. Ce genre honnêtement de... j'avais pas de crampes, voilà, parce que voilà, mes coéquipiers c'était mort. Voilà, ils me disaient tombe au sol, mais sinon j'avais pas de crampes. Après j'enchaînais des dégâts. C'était de la malice. Voilà, ça veut dire. Voilà, mes coéquipiers étaient fatigués. Voilà, je pense que c'était pour gagner du temps. Voilà, je suis content de ce match. Franchement, là, on allait la chercher au bout de la prolongation. Franchement, c'est énorme. Je commençais déjà à me projeter sur les pénalties. Mais ce but de Seco ou Oumar, je ne sais plus qui marque. C'est exceptionnel. Franchement, je suis libéré. Ce soir, je pense pas que je vais dormir parce que là, c'est exceptionnel. Et oh là là. Félicitations. On va vous laisser profiter, Yaya. Merci beaucoup. Et on est avec Simon Adingra, l'un des héros de ce match. Simon, on imagine que votre cœur bat à 10 000. Parlez-nous de vos émotions à l'instant présent. Oui, bien sûr, comme je le disais, mon cœur bat très vite en ce moment, de 0 à 10, de 10 à 0. Ouais, je suis très content. Je suis très content aussi pour l'équipe. On a fait le boulot. Ça n'a pas été facile. Avec un jeu en moins, c'était difficile, mais on a su s'organiser et on a motivé chacun d'entre nous. Et voilà, on a eu la chance et on a remporté. Je crois qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a un dicton très célèbre qui dit « Cabri mort n'a plus peur du couteau ». Est-ce que c'est ça qu'il faut ? C'est ça l'histoire de cette équipe de Côte d'Ivoire ? Il faut toujours qu'elle soit dos au mur pour montrer son vrai visage. Comment vous expliquez ça ? Bon, il peut dire c'est la grâce de Dieu. Et après aussi, il y a comment on appelle, autour de cette équipe, on est très concentré parce qu'on était déjà mort, comme on l'a dit, et on est ressuscité par la grâce. Donc, on est déjà mort, on ne peut pas mourir des fois, tu vois. Faut nous raconter ce but maintenant, Simon. C'est de la folie. Dans les derniers instants comme ça, c'est quoi ce sang-froid que vous avez? Ouais, c'est incroyable parce que même quand on était à moins, on est resté toujours dans le match. Et quand je rentrais, je me disais que peut-être j'allais au moins avoir une occasion et c'est à moi d'être décisif. Et ouais, j'ai eu la chance. Bon, on vous souhaite d'avoir toujours de la chance dans la suite de ce tournoi. Merci, Sam. Merci beaucoup. Et merci Faye, merci d'être avec nous et félicitations. Match de fou, quel était le plan et comment vous avez fait pour vous adapter pour remporter ce match? Bon, le plan au départ c'était de les empêcher de jouer au milieu parce qu'on sait qu'au milieu c'est leur point fort et qu'ils ont des très très bons joueurs. Donc c'était le plan de départ. Après on a été un peu trop bas, un peu trop passif, on les laissait ressortir le ballon de derrière, donc ils nous ont posé des problèmes sur le côté. Et puis après il y a ce carton rouge qui vient complètement changer tous les plans où on est obligé de remanier. Je voulais pas passer à deux au milieu parce que je savais que c'était la zone où on aurait le plus de difficultés. Donc je voulais garder les trois et avoir une pointe devant pour garder le ballon. Donc on est passé à trois derrière avec des joueurs sur le couloir, mais trois milieux et la pointe devant. Donc ça a fonctionné. Mais merci aux joueurs qui n'ont rien lâché, qui se sont battus jusqu'à la fin et qui ont été très très bons dans les consignes. Merci beaucoup coach, félicitations, merci. Bon courage pour la suite. Merci. Max-Alain Gradel avec nous, merci Max-Alain d'être avec nous. On voit dans le couloir juste à côté que c'est très chaud. C'est vrai que c'est une rivalité particulière Mali-Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir réussi à remporter ce match malgré toute cette tension? Bon, d'abord, il faut dire que c'était un match très difficile. On savait que c'était un derby. Et un derby, comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. Et ça a été très mal embarqué. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est ce n'est que du sport. Et Mali-Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Voilà, donc il est important que le football prenne le dessus et il ne faut pas aller là où il ne faut pas. Et aujourd'hui, on a joué dans un stade qui s'appelle le stade de la paix de Boaké. Mais il faut qu'après ce match, il y ait la paix toujours. Comme je l'ai dit, c'est la même famille, Mali-Côte d'Ivoire, donc il est important de bien finir sur ce match-là. Pour ce match-là, je dédie cette victoire à tous les Ivoiriens partout qui sont. Ils nous ont soutenus. Même quand on était à 10, on ne s'est jamais senti à 10. On s'est senti comme si on était 20 sur le terrain. Et ils nous ont supportés jusqu'à la fin. On est content d'avoir gagné ce match-là pour eux et pour tous aussi qui ne sont pas là aujourd'hui. Et une pensée spéciale à notre ancien président de la FIFA, M. Sidi Diallo, qui nous a quittés, et à Tioté Chek aussi. Et c'est pour eux, toutes ces personnes-là, qu'on s'est battu aujourd'hui. Merci et félicitations, Maxime.
c'est Kofofana, qu'on a vu lever les bras, exulter après ce but vainqueur. C'est quoi vos émotions à l'heure actuelle ? Énormément d'émotions parce que voilà, sur la dernière situation, j'y ai cru et je l'ai vu arriver, donc j'ai reprise directement et elle arrive sur un partenaire et derrière ça fait but. Voilà, on est très heureux des émotions qu'on a pu procurer à toutes les personnes qui ont pu regarder ce match et voilà, on est très heureux d'être ivoirien. C'est vrai que voilà, on est éprouvé depuis le début de la CAN, mais voilà, il faut avoir la foi, il faut continuer, on va continuer à travailler, bien se reposer et corriger ce qu'on a fait de moins bien. Mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, on regrette rien et on est très heureux. Comment vous expliquez que cette Côte d'Ivoire, elle a toujours besoin d'être dos au mur pour montrer son meilleur visage ? C'est quand même incroyable. Supporter Mazo. Non, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui nous suit depuis plusieurs générations. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a un vrai groupe où on essaye de trouver les solutions, de s'aider. Et voilà, malgré tout, on a la foi, on croit. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un public aussi qui a été derrière nous et qui a cru jusqu'au bout. Et voilà, aujourd'hui, on va essayer d'écrire notre histoire comme elle est. Et voilà, on espère aller jusqu'au bout. Voilà, on a une demi-finale aussi à préparer face à une très bonne équipe. Et voilà, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'émotion. Enfin, vous avez assisté, vous savez, et c'est incroyable. On vous souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Merci beaucoup, Seko. Merci.